chair de poule comme Murrayfield, d'une seule voix, a cappella, chante ce magnifique hymne. Murrayfield donc accueille ce match. On va commencer avec la composition du 15 d'Angleterre. Des 15 d'Écosse. Un seul changement opéré par Gauthausen, c'est Jamie Ritchie qui est de retour au sein de la troisième ligne écossaise. Des changements en revanche, Yann, derrière, opéré par Tausen. Ouais, effectivement, Ben White, le Toulonnais qui a la deuxième recède à l'ouverture. Tupolutu au centre avec Jones qui revient, Van der Merwe, Kinger dans l'arrière qui est l'arrière du Stade Toulousain et Stein à l'autre aile. Voilà pour l'Écosse, l'équipe d'Angleterre, 5 changements et notamment 2 devant opérés par Boswick qui fait tourner ses grognards, je dirais, en première ligne. Titulaire cet après-midi, Liz Genge et Dan Cole au poste de pilier pour encadrer dont le capitaine Jamie George. Pas de changement dans le pack sinon. En numéro 9, le vétéran Danny Kerr associé à Ford à l'ouverture. Lawrence qui fait son retour avec Slade au centre. À l'arrière, c'est Furbank qui remplace Freddy Stewart et aux ailes Freeman et Daly. Et donc maintenant le banc des remplaçants, même choix du côté des deux sélectionneurs. C'est un 5 avant et 3 arrière pour défier cette Calcutta Cup qui est dans les mains des Écossais depuis 3 ans. Focus sur les deux arrières, le retour de Furbank du côté anglais et dans le retour de Kinghorn, le Toulousain, à l'image. Beau retour des deux arrières, beau face à face. Exactement, Josh Urbank, le dernier match était contre l'équipe de France en 2022, donc ça date déjà depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop sa titularisation. Freddy Stewart était très bon à l'arrière avec cette équipe d'Angleterre sur les deux premiers matchs du tournoi. Mais toujours est-il qu'il est titulaire aujourd'hui. Et puis alors, Blair Kinghorn, bah, qu'on ne présente presque plus puisqu'il est presque le plus français des Écossais puisque c'est un joueur très complet qui joue au Stade Toulousain. L'arbitre de ce match, il est irlandais, monsieur Andrew Brace. Deux autres Irlandais à la touche, Chris Busby et Egan Cross. C'est le Sud-Africain Maurice Jonker qui sera chargé de l'arbitrage vidéo. Je le disais, c'est la 131e Calcutta Cup de l'histoire, le plus vieux trophée du rugby, le coup d'envoi pour les Anglais et récupération des Écossais avec ce premier ballon pour Tupulotu, le perforant trois quarts centre du 15 de Chardon. Les Écossais qu'enchèrent avec premier ballon pour Kinghorn jusqu'à l'aile, mais ce ballon qui file en touche, petite mésentente, la passe était dans le dos de ses partenaires. Exactement, mais une belle entame cette équipe d'Écosse avec Kinghorn tout de suite qui s'est imposé dans les airs, qui a traversé. Et puis après, le jeu s'est enchaîné et malheureusement, cette balle a fini en touche sur une mauvaise passe. Mais voilà, le match est bien parti. Le premier lancé de Jamie George, la prise de Chisholm parfaite et jeu au large là du côté de l'Angleterre avec ses premiers ballons pour les centres. Là-bas, on attaque la ligne, on est dans le cas écossais. Danny Kerr, jeu au pied de l'équipe d'Angleterre. Attention à la réception, Ben White, ce sont les Anglais qui ont récupéré le ballon. Sur le bord de la ligne de touche, côté droit, on enchaîne. Oui, on a mordu la ligne. Exactement. Les Anglais qui n'ont pas hésité tout de suite à jouer au large directement avec leurs trois quarts. C'est une nouvelle facette de l'Angleterre, cette équipe qu'on a vu jouer lors de la Coupe du Monde avec beaucoup de jeux au pied. Là, c'est une équipe qui veut mettre du volume à son jeu. Et tout de suite, ils ont balancé le ballon au large avec leurs trois quarts. Greg Tausen dans sa cabine de sélectionneur ici à Murrayfield avec tout son staff. Prise de balle du 15 du Chardon. Le départ aura des avant pour aller fixer cette défense anglaise. On est sur les 30 mètres écossais. Ballon mis au sol, Ben White. Le Toulonnais. C'est monté vite côté anglais, ils ont récupéré ballon le ballon. Ballon perdu. Ouais, récupération de Dan Cole qui en a aujourd'hui sa 110e cap. Le vétéran du pack. Et les Anglais qui enchaînent. Ford. On la passe à hauteur, magnifique sur les 22 mètres écossais. Le jeu qui rebondit, même sens. Et ce ballon pour Ben Earl. Non, plutôt Tommy Freeman. Kerr qui renverse au grand côté. Grosse séquence des Anglais là. Chisholm qui vient rentrer dans les 22 mètres écossais. Danny Kerr à nouveau qui renverse côté fermé. Ça sera en avant. Ça sera en avant. Mais on sent cette équipe d'Angleterre qui veut emballer le jeu, notamment avec des places redoublées pour aller chercher les extérieurs. Donc il y a du rythme, il y a des libérations rapides, c'est assez intéressant pour l'instant, mais la défense est toujours en place du côté de l'Écosse. Alors on revoit le changement de sens et on revoit l'en avant. Aussi la passe était basse pour Slade. Exactement, ouais. On passe, comme on dit chez nous, dans les chaussettes.
Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on sent de la part des deux équipes une envie, en tous les cas, de porter le ballon, de jouer, de se faire des passes, que ce soit les Écossais, même dans leur camp, ou l'Angleterre, là, depuis le début du match. Steve Borthwick, arrivé à la tête d'Angleterre en décembre 2022, avec son taf ici à Murrayfield. Première mêlée de ce match. L'introduction pour les Écossais, vous voyez le poids des deux packs. Avantage à l'Écosse, c'est 911 kilos. C'est vrai qu'avec. Ça ne joue pas grand chose quand même. Ouais. Il y a du poids avec Schumann et Fagerson du côté de la première ligne du Chardon. Ça pique et ça pèse. Il a mis les bêtes à rejouer. On sent de la tension déjà entre les deux piliers. Ouais, c'est Pierre Schumann là avec son sourire qui a changé de coiffure. Hein. Dernier tournoi, il était. Il avait laissé pousser les cheveux très très longs. Là, s'il a dégagé les oreilles, si je puis dire. Peut-être mieux pour jouer, pour se mettre en mêlée. Allez, on va essayer de la jouer. Très intéressante, ce premier défi physique avec en face Eli Genge et Dan Cole. Je le disais, Dan Cole, 110e cap. C'est l'expérience qui prime, hein, côté de l'Angleterre, dans cette première ligne. Ça sera un bras cassé pour l'équipe anglaise. Ou franc. Exactement. Les Écossais sont rentrés un petit peu trop tôt dans cette mêlée. Ils n'ont pas suivi les ordres de l'arbitre. Et ils reprennent mêlée. Et ça veut dire qu'ils se sentent. Ça veut dire qu'ils se sentent costauds dans ce secteur de jeu. Les hommes de Steve Borthwick. Ah, le crâne de Dan Cole a déjà souffert, il est ouvert, ouais, et on mais c'est pas grave. Le numéro 10, hein, Ford, qui est dans l'axe de sa mêlée, en fait, en attaque. Cette fois, on va pouvoir la jouer, poussée du pack écossais, ballon relevé par Ben Earl, qui aime ce genre de situation. On l'a vu à l'image de l'essai qu'il a marqué contre les Gallois. Voilà, oh, super essai des Anglais, marqué ici par George Fairbank, qui signe son retour. Et quel retour, hein. L'arrière de Northampton, magnifique départ au ras de la mêlée avec Ben Earl, la puissance du numéro 8 anglais, ouais, et à la conclusion de cet homme, George Fairbank. Et encore une fois, c'est un jeu redoublé fait par les Anglais. Je vous avais dit que Ford était dans l'axe, regardez, il est dans l'axe de la mêlée, le 8 va partir, là c'est une passe dans le dos, une deuxième passe dans le dos, et là après la cavalerie, ils prennent l'intervalle, deux contre un, magnifiquement joué pour finir cette action dans l'embut, une superbe entame cette équipe anglaise. Voilà, on revoit cette action. Ah, tout le monde a joué très très juste. Ouais, Fairbank qui donne raison, c'est un sélectionneur. Ah, pour l'instant, oui. On évoquait ce choix et du sélectionneur Borthwick d'avoir sorti de la feuille de match Freddie Stewart, auteur d'un match énorme, hein, lors de la victoire contre les Gallois. Ah, c'est vrai, mais bon, Fairbank là, il est très bien placé, il est dans la continuité du jeu. Maintenant, il reste encore 75 minutes quand même dans ce match. Exactement, mais pour l'instant, il frappe fort. Les Anglais frappent les premiers. Premier essai ici à Murrayfield dès la 6e minute que tente de transformer George Ford côté droit. Le coup de pied est ajusté. Essai transformé. L'Angleterre mène ici 7-0 face aux Écossais. Voilà, les Écossais qui ne sont pas encore allés dans le camp de l'Angleterre depuis le début du match. Ah mais la combinaison était parfaitement amenée, une mêlée qui avance, Ben Earl qui fait le ménage derrière son pack et ensuite ça enchaîne rapidement pour se conclure avec ce beau plongeon de George Fairbank, un autre joueur de Northampton dans cette équipe d'Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs de Northampton dans cette équipe d'Angleterre, c'est un club qui marche très très fort en Angleterre en ce moment. Les joueurs sont justement récompensés avec cette équipe, avec ces sélections en équipe d'Angleterre. Ici en gros plan, Danny Kerr, 99e sélection pour Danny Kerr. Ça fait longtemps, Danny Kerr, qu'il n'a pas débuté un match d'ailleurs. Exactement, ouais, mais là il profite du forfait sur blessure d'Alex Mitchell, titulaire lors des deux premiers matchs, et qui d'ailleurs, on ne reverra pas d'ici la fin du tournoi. Donc Danny Kerr devrait franchir le cap des 100 caps. Alors, premier changement côté écossais. C'est Zander Fagerson, peut-être protocole commotion pour le pilier droit de l'Écosse. Et l'entrée du numéro 18, Elliot Millar-Mills.
Deuxième cape pour cet homme qui a la particularité de porter les couleurs de Northampton et de jouer en Angleterre et d'être natif de l'Angleterre. Voilà, donc on parlait de cette équipe de Northampton, mais même les Écossais en profitent finalement. Alors le premier lancé de George Turner, le talonneur de Glasgow, l'une des deux franchises écossaises. On est dans le camp anglais, sur la ligne des 10 mètres de l'Angleterre. Le fond de touche, la prise est parfaite. Jimmy Ritchie qui lance l'attaque. La réaction des Écossais après l'essai anglais. Ouais, mais c'est très bien défendu de la part des Anglais qui sont montés très haut, très fort. On l'avait vu sur les précédents matchs. C'est aussi une des caractéristiques de cette Angleterre. C'est-à-dire à la fois beaucoup de jeux offensifs avec beaucoup de passes, mais aussi une défense très agressive qui monte très très vite. Et là encore une fois, c'est ce qui leur a permis de récupérer ce ballon et de faire un en avant aux Écossais. Stein, d'origine sud-africaine, trois quarts aile droit de cette équipe écossaise cet après-midi. Et nouvelle mêlée. À plein centre du terrain cette mêlée. Ça donne l'opportunité à cette équipe anglaise de jouer ou à droite ou à gauche. George Ford, lui, est placé à gauche. On va voir le choix de Danny Kerr. Quatre joueurs à gauche, deux à droite, ça veut dire qu'il va choisir quel côté? Vous, l'attaquant, le magicien? Non, peut-être à droite, parce que justement, il y a peu de joueurs, mais il y a beaucoup d'espace. Pour l'instant, le ballon est dans les pieds de la troisième ligne. On ne le verra pas, car l'arbitre a sifflé et pénalise le pack écossais. Alors, on a vu sur ces premières mêlées, hein, la première, ça a été un bras cassé pour l'Angleterre. La deuxième, ça a été l'essai pour l'Angleterre, avec une domination sur la mêlée. Et là, encore une fois, c'est une pénalité pour les Anglais. Ah, il a le crâne tout rouge, hein, Dan Cole, ça saigne, cuir chevelu ouvert, c'est vrai qu'il n'a pas trop de cheveux, notre ami, du haut de ses 36 ans, toujours là, à la pointe de la mêlée anglaise. Ah, c'est une équipe anglaise, c'est vrai, qui est très expérimentée, hein, 36 ans pour lui, Danny Kerr, c'est 37 ans, c'est des joueurs qu'on ne verra peut-être pas dans 4 ans pour la Coupe du Monde. Ouais, ben pour l'instant, ils assurent la transition. Exactement. Le rugby est un sport de transmission et de transition. Jamie George, la prise de Itoje. On est revenu dans le camp écossais et le pack anglais, avec son capitaine ballon en main, peut essayer d'organiser ce ballon porté avant de l'offrir à Danny Kerr. C'est fait. Passe à hauteur. La défense écossaise est bien en place, qu'à contrer. Intervention de l'arbitre irlandais. Bah, ce sera un en avant, effectivement, entre les deux joueurs anglais. Dans l'alternance, hein, on a vu plusieurs fois les Anglais faire des passes dans le dos avec des redoublés. Cette fois-ci, ils se sont dit, on va un petit peu changer pour mettre le doute dans la défense. Voilà, et là, on le voit, hein, c'est le numéro 8 qui fait cet en avant, qui ne s'attend pas vraiment à avoir le ballon, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est important dans l'alternance aussi, quand on fait des redoublés comme ça, de temps en temps, ou de garder le ballon, ou de faire des passes courtes, pour que la défense ne s'habitue pas à un style de jeu. Mais là, le ballon est rendu aux Écossais. Même situation précédemment pour l'Angleterre, avec les deux grands côtés pour l'équipe d'Écosse. C'est un bras cassé pour les Écossais. Ouais. Est-ce qu'ils vont reprendre mêlée? Il y a du défi dans le regard, dans les paroles, on le voit, hein, dès que les deux premières lignes se relèvent. Une chandelle sera montée. Par Finn Russell. Ah non, il a vu un petit espace pour essayer d'aller taper le plus loin possible dans le camp anglais. Il est plein de surprises, Finn Russell, l'ancien joueur du Racing 92, aujourd'hui à Bath, et récupère ce ballon, toujours dans l'air de jeu, la relance des Écossais avec Blair Kinhorn. Premier ballon d'attaque pour l'arrière du Stade Toulousain, qui vient fixer la défense. Point d'ancrage, attention à ces passes mal assurées. Et les Écossais en difficulté sous la pression des Anglais qui ont récupéré le ballon. Ouais, les Écossais qui n'ont pas pris la mesure de la montée défensive anglaise pour l'instant dans ce début de match. C'est un en avant anglais, hein. Le ballon n'est pas récupéré. Ce sera une mêlée pour l'équipe d'Écosse. Il y a quelques maladresses parce que les défenses sont quand même très présentes sur ce début de match. Les Écossais, comme je disais précédemment, n'ont pas encore pris la mesure de cette montée très agressive de l'équipe d'Angleterre. Donc ça, du coup, ils essayent de jouer, mais ils font pas mal de fautes de main. Bon, cette fois-ci, c'est le joueur anglais Lawrence qui fait son retour après blessure, d'ailleurs. Oui, Ollie Lawrence, qu'on n'avait pas vu depuis le Mondial, et le match pour la troisième place ici à l'écran, 12. Ouais, c'est le joueur de Bath. C'est Dingwall de Northampton qui avait joué les matchs précédents pour le début du tournoi.
Et là, il revient prendre position. Un joueur solide sur lequel les Anglais peuvent s'appuyer pour essayer de pénétrer au centre du terrain. Et là, voici Blair Kinhorn, l'arrière du 15 du Chardon, l'arrière du Stade Toulousain, parfaitement intégré dans ce club du Stade Toulousain, parfaitement installé dans la Ville Rose. Ouais, intégration. Et qui donc il retrouve son numéro 15. Exactement. Une intégration spectaculaire, hein, de la part de ce joueur-là dans le système du Stade Toulousain. Et c'est un joueur qui est habitué à beaucoup jouer à la main avec cette équipe d'Écosse. Donc effectivement, il avait déjà des repères offensifs très très forts et ça ne l'a pas perturbé d'arriver au Stade Toulousain. À succéder à Stuart Hogg, c'est toujours pas évident. Ah oui. Ce n'est toujours pas évident, mais il le fait avec brio. Nouvelle mêlée, nouveau face à face des deux packs. Ben White pour l'introduction. Ah, ça bouge avant l'introduction. Il intervient effectivement, l'arbitre irlandais. Le coup franc et sanctionne avec ce bras cassé les avants de Jamie George. Qu'est-ce que va faire Finn Russell cette fois-ci? Je pense que cette fois-ci, ce sera une chandelle. Alors, il parle à ses partenaires, il a annoncé la couleur. Avec lui, on ne sait jamais à l'avance. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime ce joueur. Exactement, oui. Le feu, beau face-à-face, et avec George Ford de l'autre côté, c'est un peu le feu face à la glace. Ouais. Ballon récupéré par les Anglais, notamment Tommy Freeman. Un petit peu long, cette chandelle, pour pouvoir être dessous pour la récupérer. C'est un ballon un petit peu rendu à cette équipe d'Angleterre. Passe par le sol, certainement le jeu au pied de Danny Kerr. Vous avez vu le tremblant qui s'est mis en place pour faciliter cette frappe du demi de mêlée de la Rose. Kit Horn qui s'est précipité, ouais, mais qui n'a pas contrôlé. Récupération des Anglais qui peuvent enchaîner. Avantage laissé par l'arbitre irlandais. Le jeu au pied de George Ford dans le dos là-bas de Kai Stein. Stop! Bien dégagé ce ballon par Finn Russell. Mais attention, les Écossais ne montent pas, donc ça permet aux Anglais de tout de suite réinvestir le camp écossais. Kit Horn qui se propose, qui commène en avant. Ballon récupéré par Itoje et les Anglais. En difficulté sur ces deux réceptions, l'arrière du 15 d'Écosse. L'enchaînement avec Ellis Genge, Danny Kerr pour Ethan Roots. On s'approche, il y a un avantage en tour là, laissé signaler en faveur des Anglais qui vont pouvoir tenter et ils ne s'en privent pas. Itoje pour relever ce ballon, on change l'orientation du jeu, le petit coup de pied de Ford par-dessus, ça ne profite pas donc. On va revenir à cette faute signalée par M. Andrew Brace. Ah, les Anglais très dynamiques. Hein. Les Écossais qui sont venus gratter ce ballon, on va le revoir, qui sont venus gratter, mais sauf qu'ils ont mis les mains au sol avant d'aller au ballon. C'est ça qui est sanctionné par monsieur l'arbitre. Et les Anglais qui vont prendre le but. On va en profiter, mon cher Yann, pour jouer, car vous le savez, c'est à vous de jouer maintenant. 40 000 euros sont en jeu pendant ce tournoi, alors pour tenter de les remporter lors du prochain match de l'équipe de France, c'est-à-dire demain après-midi, il vous suffit d'envoyer par SMS le mot rugby au 7-3003, le mot rugby au 7-3003, ou bien vous appelez au plus vite le 34-35. Bonne chance à vous, 40 000 euros en jeu. Et Yann, vous le savez, vous êtes interdit de jeu. Eh oui. Désolé. L'Angleterre, après pratiquement un quart d'heure de jeu, qui mène 7-0, domination territoriale des hommes de Steve Borswick et George Ford, qui a la possibilité là-bas, sur son bon pied, de rajouter 3 points dans l'escarcelle de la Rose. C'est fait, 10-0 pour l'Angleterre ici à Murrayfield, qui pour l'instant teste parfaitement son invincibilité dans ce tournoi 2024. C'est vite joué par Russell, au renvoi rapide. Mais effectivement, ces Anglais ont la main sur le match pour l'instant. Ils maîtrisent parfaitement leur rugby. Là, ils ont trouvé une petite touche sur ce renvoi précipité de Finn Russell. Alors, on va voir comment les Écossais vont pouvoir réagir. Incursion dans le camp anglais avec ce lancer de George Turner. Ouais, mais ce ballon qu'ils ont du mal à capter en touche et il se retrouve
sous pression et le ballon dans les mains des Anglais pour Danny Kerr qui fait avancer son équipe avec ce jeu au pied. Direct. Oui. Ce sera une touche directe. Direct. Ouais. Mal vu. Ouais, mais, enfin, non, plutôt bien vu dans oui. le choix, mais mal, mal concrétisé finalement par son geste. Le choix était bon, c'est la partie technique qui a foiré, si ouais. je peux dire. C'est un peu ça. Voilà. Bon, les Écossais, va falloir qu'ils s'appliquent dans leur jeu parce qu'ils perdent le ballon beaucoup trop rapidement. Donc ils se mettent dans des situations difficiles avec, avec des Anglais qui récupèrent ce ballon très très vite, beaucoup trop vite pour que l'Écosse soit dangereuse. Et certainement le retour de Xander Fagerson, vous l'avez aperçu après ce protocole commotion. À nouveau en difficulté, mais c'est Van der Merwe là, qui vient. C'est encore un ballon perdu, Jean. Oui, ballon perdu sur ce point de rencontre. Et pénalité même contre les hommes de Greg Towson qui ne sont. Qui se cherchent véritablement dans ce match. Ah oui, qui sont pas dans le match encore pour l'instant, vraiment. Ils font beaucoup trop de fautes de main, beaucoup trop de fautes de choix. Et là, ça a été un en avant, effectivement, de Van der Merwe au contact. Le ballon a été récupéré par un joueur anglais et un Écossais est venu se mettre à la faute. Donc c'est pour ça que de la mêlée s'est transformée en pénalité pour l'Angleterre. La maîtrise est anglaise ici à Murrayfield. On revoit ici cette tentative de passage en force et ce ballon perdu par Duane Van der Merwe. Alors le retour donc effectivement de Xander Fagerson, sorti d'Eliot Millar Mills. C'est en première ligne. Après ce protocole commotion. Chisholm qui a capté ce ballon et les Anglais peuvent enchaîner. Petite mésentente, pas d'en avant. L'arbitre irlandais qui laisse jouer, récupération des Écossais avec ce ballon pour Pierre Schumann. Le jeu au pied de Russell. Récupéré par l'arrière-garde anglaise, en l'occurrence Tommy Freeman. Chandelle offensive, pas sûr que c'est exactement ce qu'il devait faire. Si, c'est bien joué, puisque Ferman est venu récupérer ce ballon. C'est en avant, il y a un avantage en cours. Alors, il laisse jouer l'arbitre irlandais. Avantage, effectivement, signalé pour les Écossais. La charge de Gilchrist, poussée par Murrayfield, qui sent qu'il faut soutenir l'équipe du Chardon. Grosse pression défensive hein, de l'Angleterre. Les Écossais n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. On sent Finn Russell qui est pressé à chaque fois dans ses choix. Il doit faire vite, il doit voir vite, il doit exécuter ses gestes rapidement également. Mais c'est trop pour cette équipe écossaise pour l'instant. On va le revoir, regardez là, il y a Finn Russell qui va avoir son deuxième temps de jeu. Là, il aura très peu de temps pour faire le choix et pour faire la passe. Et ça va provoquer cet en avant avec un joueur qui ne s'attendait pas forcément à avoir le ballon, qui était très à plat. Et l'arbitre est revenu hein, sur le premier en avant. Donc ce serait une mêlée pour l'Écosse. Dans le camp anglais, l'introduction de Ben White. Voilà, passe en cœur. Magnifique pour Hugh Jones qui perce, qui rentre dans la 22 mètres anglais, on enchaîne là-bas avec Van der Merwe qui va aplatir, et on peut l'applaudir effectivement. Quelle action de la paire de centre de cette équipe d'Écosse, on va le revoir certainement, qui a mené l'essai de Duane Van der Merwe. Mais quel travail de Tupulotu et de Hugh Jones, les deux trois quarts centre, la paire de centre de Glasgow. Ouais, ils ont trouvé l'intervalle effectivement, et comme la montée défensive des Anglaises est très très performante, et bien c'est sur un premier temps de jeu qu'ils ont trouvé la faille sur cette mêlée. On le voit, un ballon, pensait à une redoublée, non, c'est les centres entre eux qui vont faire la passe. Là les Anglais sont à la peine, il arrive à faire jouer tout en tombant, et alors c'est Mandervin qui finit l'action en marquant en coin. Mais quel essai magnifique, alors on revoit cette prise d'intervalle, l'accélération, là il arrive finalement à se libérer les bras pour pouvoir faire jouer Van der Merwe lancé, et là après plus personne n'arrêtera Van der Merwe à quelques mètres de la ligne, bravo. Ouais, un doublé face au Pays de Galles, Van der Merwe, c'est son troisième essai dans ce tournoi, le surpuissant trois carrels d'origine sud-africaine de ce 15 du Chardon. Voilà la réaction qu'on attendait de cette équipe de Cosse, saluée par tout Murrayfield. Et Finn Russell qui va tenter de transformer, bien sûr, cet essai
pour rapprocher les siens au score. Le pied droit de Russell. Ça rentre. Ça passe. Voilà, l'Écosse est relancée. L'Écosse qui revient à 3 points. Écosse 7. Angleterre 10. Et on revoit ce magnifique mano à mano du duo Tupulotu Jones. Ouais. Conclu ici par Van der Merde. Un petit peu contre le cours du jeu pour l'instant. Les Écossais sont quand même très dominés, mais ils arrivent finalement à trouver cette faille-là. Et rappelez-vous, Van der Merde, il avait marqué un essai incroyable à Twickenham l'année dernière. Il avait traversé le terrain tout seul. Voilà ce match qui est véritablement lancé, je dirais, du côté des Écossais. On ne va pas s'en plaindre. Le spectacle est au rendez-vous ici à Murrayfield. Le 15 de Chardon qui va récupérer le ballon sur cette nouvelle pénalité qui sanctionne les Anglais. Ouais, un Anglais qui était en position de hors-jeu, qui ne devait pas disputer ce ballon, qui ne devait pas aller au contact du ballon. Ce sera une pénalité pour Finn Russell et l'Écosse. Ah, le public écossais qui reprend de la voix. Hein, ça, ouais, endormi, je dirais, par le premier quart d'heure anglais ici à Murrayfield, mais avec cet essai de Van der Merde, les Écossais ont pris de l'espoir et de la voix, comme vous le disiez. Yann, le voici. Duane Van der Merde qui vient de relancer donc les Écossais et Finn Russell qui va trouver la touche là-bas sur les 22 mètres, pratiquement, non, les 30 mètres, allez. Anglais lancé à venir pour George Turner. On voit hein, sur l'écran l'occupation du terrain en faveur de l'Angleterre pour l'instant. Assurer la conquête, ils avaient des difficultés en touche. Cette fois, c'est propre, c'est bien pris, c'est capté par Scott Cummins pour l'Écosse qui peut enchaîner avec ce diable de Tupulotu. Il a des mollets énormes. Je l'ai vu avant le match pour le tout. Il est vraiment bien accroché à la pelouse. Ouais, mais il va falloir que cette équipe d'Écosse s'en serve beaucoup aujourd'hui parce que les montées très agressives des Anglais, c'est lui peut-être qui va pouvoir venir tranchant et venir un peu percuter cette défense pour la faire monter un peu moins vite. À mon avis, il devrait s'en servir davantage dans le match. Mais là, c'est encore les Écossais qui se sont mis à la faute. Et c'est Henry Slade, hein, avec son pied gauche qui vient chercher la touche. Ah, le pied gauche parce que oui, parce sur ce côté de terrain il a l'angle ouvert effectivement. Il est venu suppléer George Ford et on revoit cette faute écossaise ici. Ouais, il lâche pas le ballon au sol, il y a un joueur anglais qui est sur ses appuis qui gratte ce ballon. Dans les 22 mètres écossais, le lancer de Jamie George, le talonneur des Saracens. Alignement complet. Itoje Oshisum, c'est Oshisum qui a été choisi comme souvent la tour de contrôle de l'alignement anglais et le 15 de la Rose qui peut enchaîner derrière. Attention, ils sont un peu désunis, ballon peut-être arraché, ça file en touche. Oui, c'est très bien défendu de la part de Van der Merve qui, au contact, a pris le joueur anglais et l'a amené jusqu'en touche. La touche fait partie de la défense justement et là il a bien joué avec ça puisqu'il l'a amené en touche, il récupère le ballon, il récupère le lancer pour cette équipe d'Écosse. Ouais, vu son physique, il peut se mêler à la lutte avec les deux deuxièmes lignes anglais. Hein. Ouais, il est solide, ouais. Let's go, Scotland. No huddles, please. Alors, toujours dans les 22 mètres écossais. Cette fois, le lancer a changé de main, bien sûr. C'est George Turner. Touche défensive pour l'Écosse. Assurer la prise de balle. C'est fait avec Scott Cummins. Et on se structure pour consolider cette prise de balle. Les Écossais qui avancent pour aller peut-être chercher derrière le jeu au pied de Russell. C'est une bataille de tous les instants hein, sur les groupés pénétrants, sur les rocks. Alors justement, on se réorganise avec ce ballon pour Zander Fagerson. Et c'est maintenant le pied de Ben White. C'est lui qui va permettre aux Écossais de sortir de leur 22 mètres. Le demi-mêlée du RC Toulon, depuis cette saison, trouve une touche toute proche de la ligne médiane. Là voici Ben White. Let's go England. On est toujours dans le camp écossais avec ce lancer de Jamie George. England, let's go. On a raccourci l'alignement. 5 joueurs
choisi par les Anglais. Pas long pour Chisholm. Ford. Voilà, on est allé servir là-bas Ben Earl pour fixer cette défense au cœur écossaise. Gange, il contourne l'obstacle, si je puis dire, pour venir côté droit et on enchaîne à nouveau. Et Jamie George. Les Anglais avancent. Oui, ils sont tranchants. Ils sont, ils sont prise tranchants, de balle. Les libérations sont rapides. Ford, Chisholm qui s'est proposé à l'intérieur sur cette passe de Ford. Danny Kerr qui relève le ballon pour Underhill. Le ballon a été retardé. Ford, pression défensive des Écossais sur Ford. Ils ont gagné des mètres sur la défense. Coup de pied là-bas. Destiné à Elliot Daly. Justement, c'est pas mal fait d'Elliot Daly. Il a essayé au dernier moment d'envoyer le ballon sur le joueur écossais pour récupérer la touche. On va le revoir sur exactement. Ce petit coup de pied là. Je pense qu'il n'y est pas arrivé, le ballon était sorti peut-être avant qu'il le fasse. On revoit ça, regardez. Hop, il essaye, il essaye d'envoyer le ballon sur le joueur écossais. C'est malin. C'est très malin, c'est bien joué, mais le ballon était déjà sorti. Beau ralenti qui nous a permis de voir ce geste d'Elliot Daly. Les Écossais ont gagné le ballon en touche, mais ils sont toujours coincés dans leurs 22 mètres. Et c'est Ben White qui va essayer de se donner un peu d'air en trouvant cette touche sur ses propres 40 mètres. Les Écossais sont coincés dans leur camp quand même. Ils ont du mal à sortir de cet étau qui se resserre petit à petit de cette équipe anglaise. Jamie George, ballon pris par l'alignement anglais, enchaînement, Ford à nouveau, passe à hauteur qui n'a pas été contrôlé, ça revient, la relance et la récupération des Écossais. Il y avait sûrement un coup à jouer au pied, il y avait plus de joueurs anglais sur le champ profond. Phil Russell le fait maintenant, mais les joueurs ont eu le temps de se replacer. L'arrière-garde anglaise, et notamment George Furbank avec sa belle moustache, auteur du premier essai de ce match, qui relance au pied. Kit Horn, son vis-à-vis à la réception. Mis au sol, ballon libéré. Ce sont les avants qui enchaînent avec Pierre Schumann, côté écossais. Il y a du monde côté écossais, là. Il essaye de passer les bras, Russell. Il laisse l'avantage aux Anglais, l'arbitre irlandais. Il y avait une faute de main en avant écossais. Il a l'avantage en cours toujours. Gange, Ford. Nouveau point d'ancrage. Et il manque un relayeur. Ah, c'est Freeman qui vient suppléer son demi de mêlée. Gange, pris par la défense écossaise à son tour. Pour l'instant, c'est du jeu transversal. Itoje qui essaie de gagner des mètres. Il en a gagné 10. Ballon qu'on a du mal à extraire. Danny Kerr s'est fait cette fois. Gange à nouveau. Ford. Encore une faute de main. Il y a beaucoup de. Attention à Van der Merck qui a récupéré le ballon. Il y a des cannes. Le débordement de Van der Merck. Magnifique. Il va très vite. Et puis du bâton très vite. Murray file debout. Quel essai de Van der Merck sur ce ballon de récupération le long de la ligne. Extraordinaire joueur. Quel essai magnifique. La magie, la puissance, la vélocité, la vitesse de ce joueur pour le deuxième essai des Écossais. Ouais, on en parlait de Van der Merck. On disait qu'il était solide, capable de mettre un deuxième ligne directement en touche en le portant. Mais il est aussi capable de sprinter sur 60 mètres, de prendre tout le monde de vitesse et d'aller marquer un essai en solitaire après une perte de balle de cette équipe anglaise qui provoque beaucoup de jeux. Mais on le revoit là. Un en avant, une passe mal ajustée. Et là, directement, une, deux passes, même pas, une seule passe. Une seule passe. Et il va tout contourner. Et après, il va mettre les cannes. Il va aller très, très vite. Et aucun joueur anglais ne sera là pour le rattraper. Impressionnant. Johan Van der Merck, un doublé contre le Pays de Galles. Doublé cet après-midi face à l'équipe d'Angleterre. Magnifique. Et cette équipe, tout le monde debout ici. Exactement, et cette équipe Jean de l'Écosse qui est plus que réaliste aujourd'hui, puisqu'ils sont quand même très dominés territorialement en termes de possession du ballon. Deuxième incursion, j'ai envie de dire, véritablement dans le camp anglais. Hein. Ah ouais, quasiment. Puis bon, là c'est un essai à une passe. Donc voilà, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, toutes les miettes que les Anglais leur laissent, ils les prennent et ils les transforment en essai.
Bravo pour l'instant à cette équipe d'Écosse qui souffre, mais qui finalement est devant au score. Et lui, Philippe Russell va tenter de transformer l'essai de son partenaire. Super, ça passe. Et l'Écosse, pour la première fois dans ce match, eh bien, prend le score. L'Écosse qui mène 14 à 10. Après ce doublé magnifique, on le revoit, on ne va pas s'enlacer. La course, la puissance, la détermination, la belle attitude de Van der Merwe. Ouais, superbe. Ça va mettre un petit coup sur la tête des Anglais, hein, qui sont quand même dominants dans ce match, mais qui n'arrivent pas finalement à scorer, alors qu'ils ont les ballons, ils sont dans le camp écossais, mais pour le coup, eux ne sont pas suffisamment réalistes. 31 minutes dans ce premier acte. Écosse 14, Angleterre 10. Après ce magnifique essai de Van der Merwe. Et un beau match. Belle première période entre ces deux équipes. Avec comme enjeu cet après-midi cette historique Calcutta Cup que les Écossais détiennent depuis 3 ans, car l'équipe d'Angleterre n'a pas battu l'Écosse depuis 2020. Kit Horn, le jeu au pied de l'arrière du Stade Toulousain et de l'équipe d'Écosse. King Horn qui sera la retombée. Ah non, c'est pas lui, c'est Van der Merwe. Non, ah, il est partout. Non, c'est pas Van der Merwe. Non, c'est Steyn. C'est pas grave, c'est un joueur écossais, Yann. Et les blonds, pareil. Ah, ça a réveillé véritablement les Écossais complètement libérés à présent avec l'image ici de Houston. À la manière de footballeur, et le ballon est contré. Et ça a fallu de pas grand chose pour qu'il y ait un trick là, hein, de Van der Merwe. Allez, on va en profiter avant cette touche pour vous rappeler le jeu. Et durant ce tournoi, vous pouvez jouer, vous le savez, une somme exceptionnelle de 42 000 euros est en jeu. Ça vaut le coup de tenter votre chance pour faire partie du prochain tirage au sort. Vous envoyez donc le mot rugby par SMS au 73003 ou bien vous composez de 34-35. Bonne chance à vous, 40 000 euros pour le gagnant du tirage au sort. Ah, le crâne de Dancol. Deuxième contact, deuxième ouverture. Ouais, on revoyait les images là, c'est vrai qu'il s'en est fallu de pas grand chose. Un sauvetage du joueur anglais qui, comme un gardien de handball, finalement a réussi à mettre le pied pour contrer le coup de pied de Van der Merwe. Sinon, à coup sûr, Van der Merwe allait arriver le premier dans l'embut pour aplatir ce ballon. Il s'en est fallu de pas grand chose. George Turner pratiquement sur les 22 mètres. Ouais, mais ce ballon est chippé. Il a bien lu le lancer. Chisholm, mais les Écossais ont récupéré dans un deuxième temps le ballon. Et ils peuvent enchaîner. Ben White sur Gilchrist avec son casque rouge. Ballon mis au sol. Ballon soutenu par Fagerson. Et on enchaîne avec les avants. Et notamment Rory Darge, le capitaine. Ouais, l'équipe d'Écosse qui essaye de... Avec un avantage en cours, justement, pour les Écossais. Ouais, ils vont au près, ils essayent de concentrer cette défense anglaise au près. Fagerson qui a relevé le ballon. Kit Horn, la passe, la transversale pour Van der Merwe. Ouais, mais il était en touche. Il était en touche. Ouais, mais il y avait un avantage en cours, donc l'arbitre revient. Ce sera une pénalité pour l'Écosse, une vingtaine de mètres en face des poteaux. Alors là, je pense qu'ils vont prendre le but. Les joueurs de... Greg Towson, c'est lui qui a été sanctionné. Ethan Roots, qui honore sa troisième cape. Ouais, je pense aussi qu'ils vont prendre les 3 points. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va calmer un petit peu. On va reprendre son souffle de part et d'autre. Car depuis quelques minutes, c'est un peu la folie ici sur cette pelouse de Murrayfield. C'est vrai, Jean, mais en même temps, c'est très important de prendre ces 3 points-là. Exactement. Hein. Ça va faire passer l'Écosse à un essai d'écart. On revoit l'interception du deuxième ligne écossais. 20 mètres légèrement côté droit pour Finn Russell. Oui, là, il n'y a pas de problème, à mon avis, pour Finn Russell, qui va convertir cette pénalité. Sans problème pour le voir écossais. Le 15 de Chardon mène à présent 17 à 10, effectivement. L'écart d'un essai transformé. Encore le réalisme des Écossais. Ils sont dans le camp anglais. Pam, c'est 3 points. À chaque fois, ils repartent avec des points. Bah, vu le premier quart d'heure des Écossais dans ce match, ils ont réussi à inverser le cours de cette partie. Ouais, qui sait, peut-être mettre le doute dans cette équipe anglaise qui commence à commettre de plus en plus de petites erreurs. Ouais, la maîtrise anglaise du premier quart d'heure est en train de
de s'estomper ici sur la pelouse de Murrayfield. On va voir, après ce ballon récupéré sur la remise en jeu par Itogé, que vont faire les joueurs de Steve Borswick. Genge sur les 22 mètres écossais. Furbank là, dans une position d'ouvreur. Kerr. Bonne défense là de Jack Dempsey. Mais les Anglais avancent. Jamie George et rentre dans les 22 mètres écossais pour essayer de réagir à 5 minutes de la fin de ce premier acte. Les libérations sont moins fluides que tout à l'heure. Exactement. Itogé renvoyé dans son camp. Là, c'est le drop. De Ford, monsieur drop. Accordé. L'homme qui avait claqué trois drops sur un même match en Coupe du Monde contre l'Argentine. Face à l'Argentine en ouverture, exactement. Et c'est vrai que c'est monsieur drop, il en met assez souvent. Là, il a tout son temps pour s'appliquer et pour ajuster son tir. Puisqu'on parle de monsieur drop, c'est l'occasion de saluer Pierre Albanadejo. Bien sûr. Car ce monsieur drop, ce surnom, c'est d'abord lui qui le porte. Mais George Ford est bien dans ce secteur de jeu également. Écosse 17, Angleterre 13 dans ce premier acte ici à Murrayfield. C'est tackle. La puissance là de Chisholm, soutenue par Dan Cole, qui a fait avancer les Anglais. Certainement pour aller chercher le pied de Danny Kerr. Ils sont sortis des 22 mètres, donc Danny Kerr ne pourra pas taper directement en touche. Il va occuper loin devant. Ah ben l'arbitre considère qu'ils étaient dans les 22 mètres. Ouais, ils étaient sur la ligne, effectivement. On va faire confiance aux arbitres. La touche se jouera donc sur la ligne des pointillés que vous voyez, la ligne des 10 mètres. Ouais, il me semblait que le du côté anglais, le deuxième ligne anglais, effectivement, était sorti sur la percussion, sorti de la ligne des 22 mètres. Mais c'était certainement pas le cas, l'arbitre était mieux placé. Les arbitres sont toujours bien placés, Yann. Bien sûr. Demandez aux Écossais. Le ballon pris en forme de touche par Jack Dempsey et les Écossais qui peuvent justement enchaîner. Ballon mis au sol. Ben White, le relais de ses avants. En l'occurrence, Pierre Schumann. Bonne défense des Anglais, mais les passes sont assurées par les Écossais. Ballon pour Kit Horn qui peut libérer. Ça cafouille un peu Ben White qui relève ce ballon. Ballon intercepté par Henry Slade. Qui a tapé très très loin devant. Il y a la pression anglaise qui arrive. Sur Stein qui essaie de relancer l'équipe d'Écosse. Pris par la défense anglaise dans ses 22 mètres, mais le soutien est là. Et certainement le jeu au pied derrière de Ben White. Le train du charbon s'est mis en place. Voilà, le pied droit de Ben White. Le drop ? Non, j'ai eu peur. J'ai vu au moment où il essayait de taper un drop. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un arrêt de volée de Finn Russell. Pour calmer un petit peu tout ceci. Une minute de la fin de la première période. Dan Cole qui reprend son souffle, les mains posées sur le genou, sur les genoux. Mais on l'a vu une fois de plus, cette défense agressive anglaise a perturbé encore l'attaque écossaise qui essaye de faire du jeu, qui tente des passes impossibles, qui prennent beaucoup de risques et finalement qui perdent le ballon. Il s'en est fallu de pas grand chose pour que la contre-attaque anglaise fasse beaucoup plus mal aux Écossais. Jamie Ritchie, là, on l'a vu avec son bandeau et ses cheveux longs. Absent contre la France il y a 15 jours, de retour au sein de cette troisième ligne écossaise. Discussion entre Jamie George et ses partenaires Underhill et Itogé avant le lancer. Certainement le dernier lancer de cette première période. Écosse 17, Angleterre 13, 2 essais 1. Le jeu va reprendre.
Alors, il appelle l'alignement anglais, monsieur Bryce. Jamie George, la prise cette fois est assurée par Itogé. Les Anglais qui tentent d'avancer sur ce ballon porté. Ballon dans les mains de Jamie George, soutenu par Underhill. Le départ aussi de Ben Earl sur les 30 mètres écossais. Gros temps fort des Anglais au terme de cette première période. Menée de 4 points. Danny Kerr, on enchaîne. Ford, à la passe à hauteur, la peut servir Oli Lawrence qui a franchi le premier rideau. Danny Kerr. Ah, c'est un en avant de Danny Kerr. Ah, ça va mettre un terme à cette première période, Yann. Non, c'est régalé. L'équipe d'Écosse qui mène donc 17 à 13 de session. Enfin, quel plaisir ce match. C'est vrai que c'est incroyable. Ça joue des deux côtés. Il y a des défenses sont là aussi. Mais les équipes arrivent à trouver des intervalles et à marquer des essais. C'est une superbe première période. C'est la Calcutta Cup qui est en jeu cet après-midi. C'est aussi dans le cadre du tournoi destination. L'Écosse à la mi-temps, donc mène 17 à 13. Petit tour par la régie finale à Paris. Puis vous retrouverez à Lille, Vincent, Claire et Cédric Baudou et toute l'équipe. À tout à l'heure pour la deuxième période. Effectivement, Cédric, on n'est jamais déçu. Un après-midi ou un après-midi de trois carrels avec le forfait de Biel Biarré, vous le disiez. Et ici, eh bien, c'est un trois carrels du Johan van der Meer qui a enflammé ce magnifique stade de Murrayfield, qui a relancé les Écossais et qui mène donc à la pause. 17 à 13, c'est parti pour le deuxième acte. Le coup d'envoi de Finn Russell. Ballon capté par Ben Earl. Et pour l'instant, on ne sait pas qui soulèvera la prochaine Calcutta Cup dans ce Écosse-Angleterre. Match toujours historique. Ça date, ce trophée de 1879. C'est-à-dire que ça remonte à très, très longtemps. Première touche trouvée par les Anglais. Les Anglais qui ont dû être reboostés hein, par leur entraîneur Steve Borthwick, parce que dominer autant et être derrière au score, c'est pas courant. Et coup dur pour l'équipe d'Écosse, puisqu'il boite bas. C'est lui qui avait allumé la première mèche pour le premier essai des Écossais, cet homme. Sione Tupulutu, le joueur né en Australie, d'origine maori, et qui quitte le terrain, remplacé par Cameron Redpath, me semble-t-il. Et les Écossais qui enchaînent avec Ben White. Passe à hauteur, petit coup de pied dans le dos de la défense anglaise à la course. Ah, ça va sortir Stein, ça va sortir le magicien. Côté de poteau de coin. Le magicien Finn Russell qui arrive à trouver cette touche. La sortie de leur trois quarts semble peut leur faire du mal hein, parce que c'était quand même fer de lance, c'était quand même le costaud de la ligne de trois quarts qui permettait de franchir. On va voir avec Redpath. Ouais, Cameron Redpath qui est né, vous savez où ? En France ? Oui, à Narbonne. À Narbonne, mais son papa était l'ancien demi-mêlée de l'équipe d'Écosse, effectivement. À l'époque où son papa était le demi-mêlée de Narbonne, à cette époque-là, à l'époque où Narbonne était entraîné par un certain Pierre Berbizier, me semble-t-il, qu'on peut saluer, ancien sélectionneur aussi du 15 de France. Et un autre numéro 9. Exactement. En voici un autre, Danny Kerr, grand numéro 9, qui dégage son camp. Petitement. Ouais. Hein, il était pressé par cette défense écossaise. Il a trouvé une petite touche. Ça va rendre le ballon à cette équipe d'Écosse dans les 22 mètres anglais. Le voici avec son numéro 23, Cameron Redpath, 24 ans. Non, you've got to stay 10. No, no, you're not 10. Stay 10. On va voir si les Écossais sont aussi cliniques qu'en première période. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans le camp anglais, ils mettaient des points. Le lancer de Turner, le fond de touche, la prise de Cummins. Dans les 22 mètres anglais, donc ballon porté. Ouh, ça avance bien. Du pack du Chardon qui avance, poussé par Murrayfield. Il y a même les trois quarts qui viennent se mêler à la lutte avec notamment Van der Meer. Ballon éjecté. Non, ballon toujours dans le tas, s'il peut dire, dans ce paquet de joueurs. Alors on va jouer au rang. Il vaut mieux parce qu'il n'y a plus un truc à récolter dans la ligne. La charge de Jack Dempsey. On est sous les poteaux anglais. Gros temps fort dès le début de la deuxième période des Écossais. Pierre Schumann là, qui est venu soutenir son partenaire. Le ballon est relevé à nouveau. Du jeu, une passe. Ben White. Ballon pour Rory Dergue, le capitaine de l'Écosse.
Allez, assurer la continuité, ne pas perdre le ballon. Bonne défense des Anglais qui pour l'instant ne cède aucun centimètre. Peut-être ici le déblayage de Richie. Ben, sa bataille, hein, sa bataille très très fort dans les rucks. À 5 mètres de l'embut anglais. Le départ aura des Écossais. Et on est revenu au cœur du jeu, là, au cœur du tas, si je puis dire. Allez, Schumann pour relever ce ballon. Voilà, il prend tout son temps. La charge de Pierre Schumann qui a gagné 1 mètre. Ouais, c'est ballon gratté. Eh oui. Eh oui. Ballon gratté par un joueur anglais. Il y avait beaucoup d'engagement physique dans cette action hein, depuis quelques minutes. À la fois offensivement pour les Écossais, mais les Anglais étaient vraiment redoutables aussi. On revoit cette charge de Pierre Schumann, le pilier gauche écossais. Alors, je parlais tout à l'heure de sa coupe de cheveux. Figurez-vous qu'il a coupé ses cheveux à Noël à l'hôpital des enfants d'Édimbourg pour une opération de charité qui a rapporté 8000 livres. C'est pour ça qu'il a le crâne, disons, plus dégarni. Merci à notre confrère de la Dépêche du Midi, Xavier Thomas, c'est pour la bonne au courant cause. De tout, qui me signalait cette info que j'avais oubliée. En tout cas, c'était pour la bonne cause, on peut le saluer. Il a laissé ses cheveux au profit des enfants de l'hôpital d'Édimbourg. Et là, on soigne Henry Slade, le trois-quarts centre anglais. Les Anglais qui ont récupéré le ballon sur cette pénalité. Les Anglais ont tenu bon, effectivement. On parlait du côté clinique de cette équipe d'Écosse. Là, ils vont repartir 100 points, alors qu'ils étaient très proches de la ligne anglaise. Discussion entre Itoje, Chisholm et Dan Cole. Ce sont les patrons, hein, et Jamie George de ce pack d'Angleterre. La discussion entre les deux deuxièmes lignes, Ellis Genge également, où il n'y a que des patrons devant. Hein. Ah ouais, là, il n'y a que des cadres. Là, c'est les papas. Là. Le pied de George Ford pour remettre l'équipe d'Angleterre dans le sens de la marche. C'est normal quand on s'appelle Ford. Non, c'était Henry Clay, il m'a fait mentir. Bah, les Écossais qui ont investi un peu plus le camp anglais, là, hein, ça va rétablir un petit peu plus d'équilibre parce que les Anglais étaient vraiment dominants sur la première période au niveau territorial. Jamie George sur le lancer, on est toujours dans le camp anglais. Le contest sur l'alignement des Écossais qui récupèrent ce ballon pour essayer le contre sur ce jeu au pied. Et en difficulté, Cameron répare ce magnifique. Le coup de la pirouette, le coup de la toupie. Quelle entrée en matière du jeune Cameron Red Pass qui est revenu sur le 22 mètres. Il y a du monde large. Ouais, la passe au pied là-bas. Pour c'est magnifique. Magnifique. Le triplé de cet homme sur ce jeu au pied de Finn Russell avec Red Pass qui a allumé la mèche écossaise. Oh, quel essai. Le stade est en folie. C'était magique, on voyait l'action se dérouler. Effectivement, il y avait un surnombre énorme. Finn Russell a préféré la glisser au pied. Et de quelle manière, un coup de pied millimétré pour Van der Merwe, encore lui, qui vient conclure cette action. Au début, c'est un ballon volé en touche, effectivement. Le premier ballon récupéré sur tous les lancers anglais. Ils avaient fait 100% les Anglais. Là, c'est Red Pass qui arrive à s'en sortir sur une pirouette. Il travaille la défense anglaise. Il arrive à trouver quand même l'intervalle. Il met son équipe dans l'avancée. Libération rapide. Regardez, un surnombre énorme. Finn Russell, lui, choisit le pied. Et alors, tel un magicien, avec sa baguette magique au bout du pied, il arrive à distiller ce ballon parfaitement. Ah, le regard et le sourire de Van der Merwe qui signe et qui claque son troisième essai, félicité par Kin Horn, et qui demande le soutien et l'ovation du public de Murrayfield. À quelle action, hein, parce que là, il y a l'essai de Van der Merwe, mais c'est le collectif, la vista de Russell. Et d'abord, c'est d'abord un coup de pied contré hein, au départ de Finn Russell. Red Pass arrive à se saisir du ballon, et alors je ne sais pas comment il se débrouille, il arrive à se défaire de la défense anglaise, trouver l'intervalle accéléré, mettre son équipe dans l'avancée, et Finn Russell a fait le reste. Le pied droit de Finn Russell. Ça passe, le sans faute de Finn Russell qui continue. Et l'Écosse qui creuse l'écart. L'Écosse qui mène à présent 24 à 13. Et là, on revoit, on sent là se passe le troisième essai dans ce match de cet homme, Van der Merwe. Coup de pied millimétré de Finn Russell. C'est incroyable. Qui fait 100% au pied avec des transformations et des pénalités. Enfin, surtout des transformations très difficiles à mettre. Mais il met tout aujourd'hui.
À la joie de Greg Towson et tout son staff. On a vu aussi Peter De Villiers, bonnet sur la tête, qui s'occupe de la mêlée et des avants du 15 de Chardon, savourer ce troisième essai de Van der Merwe. Écosse 24, Angleterre 13, 47 minutes dans ce match qui nous laisse presque sans voix tellement on se régale et le spectacle est magnifique. Ouais, c'est incroyable, et encore cette Écosse réaliste. Hein. Je disais juste avant qu'ils n'avaient pas marqué sur l'incursion précédente. Il a fallu attendre très peu de temps pour que finalement ils arrivent à remarquer très vite. Ben Spencer avec son numéro 21 vient d'entrer en jeu. Il remplace donc Danny Kerr. Le demi de mêlée de Basse, 31 ans. Et l'honneur à 31 ans aujourd'hui, sa première cape, comme quoi il n'est jamais trop tard. Exactement. Jamie George. On va voir comment les Anglais vont pouvoir se relancer dans ce match qui avait dominé copieusement le premier quart d'heure avec à la clé un essai signé Fairbank. Eh bien, l'Écosse a bien réagi. L'Écosse se mène de 24 à 13. La balle récupérée pour l'Angleterre. Attention, c'est un bon, très bon à jouer. Ballon écarté. A touché, piqué au vif les Anglais. L'orgueil des joueurs de la Rose qui enchaîne ici avec Henry Slade. Revenu dans les 22 mètres écossais. On essaie de réagir. Spencer, l'un de ses premiers ballons. Fairbank bloqué, mais qui peut libérer. Le contest des Écossais, non, ça sort pour l'Angleterre. Avantage en cours. Oui, avantage en cours, effectivement, sur le fermé. On la passe sur un pas. C'était bien inspiré, bien vu. Interception écossaise, dont on va revenir à la faute signalée par M. Brace. Alors là, ça ne fait pas beaucoup de doutes. Je pense que les Anglais vont essayer d'aller en touche plutôt que de prendre les trois points. Non, il décide de prendre les points, de prendre les trois points. George Martin, vous l'avez vu avec son casque bleu marine, numéro 19, qui est rentré du côté de la deuxième ligne anglaise, le joueur de Leicester, 22 ans, jeune joueur également lancé par Steve Borswick. Alors on voit cette faute écossaise. Comme vous le disiez, donc... je pense qu'il y a un arbitrage vidéo là, qui est demandé. Oui. Je me demande si James n'est pas allé à grand coup d'épaule dans un ruck. On va revoir ça. C'est ce qui m'a semblé voir en direct. Moi, j'étais surpris que l'arbitre dise rien, mais on va revoir ça. Ouais, c'est vu que j'ai vu un joueur et un maillot blanc arriver comme en obus. Ouais, puis surtout avec l'épaule en avant, il me semble. On va revoir certainement cette action. C'est lui qui visait. C'est Ellis Genge. Il le sait, le pilier de Bristol, voilà, c'est ici. Avec l'épaule. Ouais, sur la tête. Ça, je n'ai pas vu, mais. On va voir. Il y a des plans différents, à mon avis. C'est George Turner qui était baissé. C'est Richie, pardon. Jimmy Richie. On va le voir. C'est ici, avec ses cheveux longs, Jimmy Richie qui est baissé. On va voir l'épaule et le corps de Genge arriver. Je ne suis pas sûr qu'il touche la tête. C'est plus l'attitude, en fait. Ouais, sous cet angle, c'est moins impressionnant, je dirais. Il me semble que l'épaule touche un partenaire et pas un adversaire. Ouais. Sous cet angle, effectivement, ça plaide en faveur de Genge. Il n'y aura rien du tout. C'est vrai que l'attitude a, dans un premier temps, choqué, mais finalement, son épaule est allée contre un partenaire et pas contre un adversaire. Il s'en sort bien. Ouais, sauvé par un angle de l'arbitrage vidéo, ça sert à ça aussi. Donc pénalité, pas de carton jaune, donc, et carton jaune ou autre. Et pénalité, donc on va prendre et tenter George Ford. 22 mètres, allez, disons, avec la diagonale en distance de 19 mètres exactement. Vous avez vu l'incruste. C'est plus précis que mon regard. Le pied droit de Ford. Ça passe. Écosse 24. Angleterre 17. Pardon, 16. 13 et 3, ça fait bien 16. Ouais. Ah, c'est un en avant, il me semble. Oui, voilà. Parce que l'arbitre a mis du temps à siffler. Mais sur la réception de ce coup d'envoi, c'est un en avant anglais, évidemment. On va revoir ça sous ce temps. On a l'impression que le ballon part un peu vers l'arrière au départ, mais avec le rebond, il revient vers l'avant.
D'ailleurs, l'arbitre, dans un premier temps, fait signe que c'est vers l'arrière. Ouais, là, on le voit très, très bien. Et là, le ballon repart vers l'avant. Cette réception du jeune George Martin entré en jeu il y a deux minutes. Résultat mêlé et introduction pour le 15 du Chardon. Pour Ben White et les siens. Ouais, c'est pas la première fois que Finn Russell fait des coups d'envoi ou de renvoi assez rapidement. Et c'est vrai que ça, à mon avis, c'est pour justement déstabiliser l'adversaire qui ne s'est pas encore bien replacé. Et c'est, sur ce coup-là, ça a marché. Alors, mêlée intéressante, mêlée importante là. Pour les deux packs. Ça laisse tout le champ droit à l'attaque écossaise. Tout le monde est là. Van der Merwe qui est ailier gauche est dans la ligne à droite. Et d'ailleurs on voit Kinhorn, là vous l'avez aperçu rapidement, qui vient parler à son 3 carré de droit, Kyle Stein. Il annonce la combinaison effectivement. Exactement. Car vu le bruit de Murrayfield à 60 mètres là-bas de la mêlée, Stein, il n'entend rien. Pour l'instant, la mêlée s'est écroulée. On va la rejouer, a dit M. Brace. Alors, tout à l'heure, Finn Russell était dans l'axe de sa mêlée avec Van der Merwe qui était dans son axe également. Mais ce qui est génial avec Finn Russell, c'est qu'il ne fait que bouger. Donc pour l'adversaire, c'est très très dur d'identifier où il est et ce qu'il va faire. Et c'est ça les grands joueurs, justement. Insaisissable. Ouais, il va se repositionner dans l'axe. Donc à mon avis, ça va être certainement encore. Le tour de savoir si lui sait ce qu'il va faire. Ah, si. Ça, c'est, là, c'est une action qui est programmée, qui est annoncée. D'ailleurs, on le voit. Hein, il annonce la combinaison à ses partenaires. Il va se replacer dans l'axe, vous voyez. Et à mon avis, ce sera certainement un jeu redoublé. Avec une passe directement pour Red Pass. Hein. Ben White. Voilà la combinaison. Red Pass. Il feinte la passe qui vient fixer la défense anglaise. Point de fixation. Passe à hauteur sur un pas. Récupération de Van der Merwe qui peut servir Stein. Qui revient, retour à l'intérieur pour chercher le soutien de la troisième ligne. Ils s'en sortent bien cette action. Ils ont joué les funambules, mais ils ont réussi à garder la balle. Schumann pour mettre de l'ordre dans la maison écossaise. Faute de main. C'est un peu de précipitation. Effectivement, c'est un en avant. Il s'en est fallu de pas grand chose hein, sur l'action précédente pour qu'il y ait en avant déjà. Ah, c'est Dan Cole qui est rappelé à l'ordre par M. Brace. Ah, ça saigne, hein. Le crâne de Dan Cole, ça saigne depuis le début du match. Mais il est bien là. Une petite blessure. Pour honorer sa 110e cape, je le disais, 36 ans, le pilier légendaire des Tigres de Leicester. Ah, c'est pour ça qu'il parlait à Dan Cole. Comme ça saigne quand même, il faut soigner bien sûr le pilier anglais. Il y a eu beaucoup de fautes de main dans cette partie depuis le début du match. Par contre, c'est assez équilibré. Il y a eu 10 fautes de main de la part des Écossais, 10 fautes de main de la part des Anglais. C'est dire aussi si la pression défensive est forte de chaque côté. Les hommes de Steve Borswick qui recevront l'Irlande dans 15 jours à Twickenham, alors que l'Écosse se déplacera en Italie. Les hommes ici, le Greg Towson, se déplaceront en Italie. Ce sera les deux matchs de la 4e journée. De son côté, l'équipe de France sera au Pays de Galles. Entrée en jeu du numéro 20, Andy Christie, d'origine anglaise. Joueur des Saracens au poste de troisième ligne qui remplace Jimmy Ritchie. Pénalité contre le pack anglais sur cette mêlée. Ça va faire du bien celle-là pour cette équipe anglaise qui va pouvoir se dégager parce que depuis le début de la première période, les Écossais ont quand même bien investi le camp anglais. Allez, on va en profiter. Je vais en profiter de ce moment pour vous rappeler qu'une somme exceptionnelle de 48 000 euros est en jeu. Alors pour participer, vous le savez, à ce tirage au sort à l'issue de cette troisième journée du tournoi, c'est-à-dire demain après-midi à l'issue du France-Italie à Lille, vous envoyez le mot rugby au 7-3003 ou bien vous appelez le 34-35. Bonne chance à vous, les 40 000 euros vous attendent. Et pour l'instant, c'est Jamie George qui est au lancer. Comme tout le monde aura respecté l'alignement, a dit M. Brace. On est dans le camp écossais, alignement complet. C'est Itogé qui a été sollicité, qui capte ce ballon. Les Anglais enchaînent et ils avancent. Ils ont gagné 15 mètres, les joueurs de la Rose. Nouvelle charge ici de Sam Underhill
le relais de Ethan Roots. Itoje, la puissance des avant-anglais pour essayer de s'approcher des 22 mètres écossais. Genge, à son tour. Un renversement du jeu. Spencer, oui. Avec le ballon pour Martin. Même sens, coup de pied en avant de Spencer. Ouais, c'est même une pénalité. C'est un en avant, à mon avis, qui est repris devant par un joueur anglais. Et voici un gros plan. Andy Christie, natif d'Angleterre, donc porteur de maillot des Saracens. Changement côté anglais avec l'entrée de Will Stewart au poste de première ligne. Et également Chandler Cunningham-Fouss au poste de troisième ligne. Et sortie de Dan Cole qui va pouvoir soigner sa blessure. Et sortie de Sam Underhill au poste de flanqueur puisque c'est Cunningham-Fouss, le joueur des Harlequins, qui entre en jeu. Du sang frais du côté du pack anglais. Ah, superbe la touche trouvée par Finn Wessel. Ces Anglais qui vont devoir se rattraper quand même. Ils sont bien derrière au score. À savoir que l'Angleterre quand même n'a pas gagné 3 matchs d'affilée depuis 2020. C'est énorme. C'est énorme, exactement. Et là on pensait qu'ils allaient peut-être réussir la passe de 3, mais c'est pas gagné pour l'instant. Hein. Vous parlez dans le tournoi, Yann. Oui, bien sûr. Enchaînement des Écossais. Ben White pour lever ce ballon. Il a franchi le premier rideau. Jack Dempsey s'approche de 22 mètres anglais. Le jeu qui rebondit à nouveau avec Christie. Ben White qui renverse. Non. On a croisé avec Russell. Un cadrage de bord devant. Hugh Jones, coup de pied rasant. Dans l'embut. Oui, mais il y avait un avantage en cours. Pénalité hors jeu de ligne des Anglais. Ouais, les Écossais dans l'avancée, ils ont réussi à jouer d'une façon très dynamique. Ça a mis l'équipe anglaise à défaut. Et notamment, hors jeu collectif de la ligne. Ouais, c'est ce renversement de la charnière écossaise. Ben White et Russell qui a piégé le rideau anglais. Et bien sûr, face au poteau de la Rose, Finn Russell se désaltère, parle avec l'arbitre, décontracté, et il va prendre le but. Gagne un petit peu de temps. Oui, oui. Ah, il est extraordinaire, ce joueur. C'est le regard de son sélectionneur. Pénalité facile pour Finn Russell qui va remettre 3 points de plus pour. Ah, mais il y a des supporters de l'Argentine, des Pumas. Et vous savez pourquoi ? Alors, vous allez nous le dire. Je vais vous le dire, parce que Finn Russell, lors d'une interview, avait dit que c'était le Messi du rugby. Voilà. Sur le ton de la plaisanterie, bien entendu. La passe était belle, hein, que je vous ai dit. Très belle. Non, je rigole. Et donc, du coup, voilà, on l'a vu déjà. Exactement. Sur les matchs précédents, il y a quelques Écossais qui mettent le meilleur de l'Argentine avec Messi à la place de Finn. Ou l'inverse, plutôt. Exactement. Pour clin d'œil, et Finn Russell qui vient de passer cette pénalité. Écosse 27, Angleterre 16 ici à Murrayfield. 58 minutes pratiquement de jeu dans ce match. Alors cette équipe d'Écosse avait fait l'erreur contre l'équipe de France lorsqu'ils étaient devant au score. De beaucoup abuser du jeu au pied. Finn Russell avait tapé 44 coups de pied contre l'équipe de France, ce qui n'est pas du tout dans leur ADN de jeu. Et aujourd'hui, ils sont devant au score aussi, mais j'ai l'impression quand même qu'ils vont plutôt continuer à porter le ballon comme ils l'ont fait précédemment. La relance de George Fairbank pour l'Angleterre. Spencer, le pied de George Ford, chandelle offensive à la réception qui orne. Pas de problème pour l'arrière écossais du Stade Toulousain qui relance les joueurs du Chardon. Ben White, Russell. C'est son vis-à-vis Ford qui a récupéré. Allez, on laisse ce jeu au pied qui s'installe là. Van der Meve, ça. Le ballon récupéré par l'Écosse. White. Russell. La diagonale de Russell pour mettre en difficulté Lyon Daly qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Non, mais cette fois, il l'exploite magnifiquement. Ouais, ça aurait pu mettre son équipe en difficulté parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Écossais pour monter. Spencer pour
Stuart. Stay. And. Use it. No, no. Allez, certainement le jeu au pied de Spencer sur la ligne médiane pour faire avancer les joueurs de la Rose. Kit Horn à la réception. Un déséquilibre. Et il a bien capté ce ballon. Hein. Et cette équipe d'Angleterre finalement qui revient sur les bases, hein, occupation, défis physiques. Ils sont moins entreprenants, ballon en main, avec beaucoup moins de passes que quand ils ont démarré ce match. On les sent un peu plus fragiles du coup. Ben White à son tour. Jeu de pression, jeu au pied de pression. Oh là, ça s'est télescopé dans les airs. Scotland. Le ballon est sorti du côté des Anglais. Petit cafouillage finalement. C'est à présent le pied de George Ford. On exploite le pied depuis quelques minutes dans ce match. Itoje a récupéré le ballon pour le mettre au sol. Spencer. Pour Chisholm. Soutenu par Jamie George et Stuart. Sur le fermé avec Cunningham's House. Jeune joueur de 20 ans, entré en jeu donc. Ford passe à hauteur pour Ben Earl. 10 mètres, gagné par le numéro 8 de l'équipe d'Angleterre. Le relais de. Un ballon arraché, important, mais contré. Kinnor, attention à cette relance des Écossais. Finn Russell, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il préfère jouer au pied. Dans le dos de la défense anglaise pour obliger Elliot Daly à revenir dans ses 22 mètres. Inside, boys. Coup de pied brossé d'Eliot Daly. Ce sera une petite touche, il s'en sort pas si mal parce qu'il avait l'angle fermé quand même. Oui, et en plus il a frappé du pied gauche, donc carrément il était le long de la ligne. Hein. On voit là l'Écossais qui arrache le ballon, voilà, qui permet à son équipe pas de se dégager dans un premier temps parce qu'il sera contré, mais se dégager dans un second temps par Finn Russell. Un joueur blessé côté écossais. Kevin Logan qu'on voit à l'écran au milieu. Ah oui, exactement. C'est écossais, mais son fils joue pour l'Angleterre. Jeune joueur prometteur. Détendu et souriant. Qui apprécie le spectacle. Entre en jeu côté anglais du numéro 22, Finn Smith, qu'on a découvert dans ce tournoi. Le jeune demi d'ouverture de Northampton, 21 ans, et qui remplace donc... George Ford, sorti également d'Elis Genge en première ligne, est rentré d'un autre grognard. Eh oui. Joe Marler, le voici avec son numéro 17 et sa superbe coupe de cheveux. Alors on risque de voir un jeu un peu plus offensif finalement de l'Angleterre qui, c'est vrai, que se retranchait vers des certitudes du jeu. Non, non, pas avec Marler, avec le numéro 10 qui est rentré. Puisque Ford abusait un petit peu ces dernières minutes du jeu au pied. Et l'on revoit l'extraordinaire Van der Meer, auteur d'un triplé dans ce match, et ce n'est pas fini, sait-on jamais. Ça, c'est son deuxième après cette chevauchée. Et là, sur ce ballon distillé au millimètre par Russell, il signe le hat-trick, c'est-à-dire ses trois essais dans ce match. Le départ de Christie, l'Écosse qui mène 27 à 16, 61 minutes. On a franchi donc le cap de l'heure de jeu. 3 essais en faveur des hommes de Towson. La bataille avec les avants, on essaie de gagner quelques mètres. Christie avec son casque rouge qui trouve son partenaire Cummins de la deuxième ligne. On enchaîne Aura du côté des Écossais. Ouais, les Anglais qui vraiment à chaque ruck essayent de mettre la main sur ce ballon, essayent de mettre beaucoup de pression. Attention à la relance. Fairbank qui relance, magnifiquement joué. Il a passé les bras. Il n'a pas pu vraiment assurer la passe. Toujours dans l'air de jeu, ce ballon récupéré par Finn Smith. Sous pression aussitôt. Spencer. Allez, on retrouve. Et on se réorganise avec ce jeu avec les avants et notamment Stuart. Il y avait un bon coup à jouer pour les Anglais. C'est dommage que la transmission n'ait pas été bonne entre les joueurs anglais. Spencer. À la réception, Stein pour la relance écossaise qui Horn qui vient percuter la défense anglaise. White, Russell. Réception de Smith dans ses 22 mètres. Il peut taper directement en touche. Est-ce qu'elle va être évitée? Non, il trouve la touche. Très très belle touche trouvée par ce jeune joueur.
Finn Smith gagné, vous avez vu, 41 mètres et 40 cm pour exact. Ouais, exactement, il a fait une recette par exemple, il y avait peut-être mieux à faire que de mettre ce jeu au pied là. Il avait des partenaires sur le côté, il y avait une libération qui était assez rapide. Je pense qu'il aurait pu délivrer ce ballon sur la gauche pour créer des temps de jeu. Il ne faut pas que cette Écosse joue à contre-nature comme ce fut le cas contre l'équipe de France, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment que l'équipe d'Écosse continue à porter le ballon parce qu'ils le font plutôt très bien. Ben White remplacé par George Horn, le demi-mêlé de Glasgow, alors que Erwan Ashman était rentré, lui, il y a quelques minutes au poste de talonneur à la place de George Turner. Premier ballon pour Horn. Il joue avec ses avants sur ses propres 30 mètres. Là, il va peut-être placer son jeu au pied. Oui, là, c'est plus c'est jeu de pression. Effectivement. Oui, mais il y a le contest des Anglais qui bataille. Ah, mais chaque rock est bataillé, terrible par la défense anglaise. Ouais. Premier jeu au pied de George Horn. Ce ballon qui n'a pas été contrôlé par Jamie George. La pression de Stein là, sur l'arrière-garde anglaise. Le soutien est là. Denis qui était un petit peu en retard hein, sur ce coup de pied. Heureusement, les Anglais ont pu quand même avoir ce ballon. Ouais, mais ils sont pénalisés sur ce point de rencontre grâce à ce grattage de Mila Mills, revenu en jeu puisqu'il était rentré sur un protocole commotion en première période ici avec son numéro 18. Ah, c'est Ben Earl qui a été sanctionné par l'arbitre irlandais. Ouais, le soutien offensif hein, qui était un peu en retard, qui est venu se coucher plutôt que d'enlever l'Écossais qui essayait de gratter. Et la gestion du score des Écossais qui prennent le but. Bien sûr. Les 40 mètres de face. Très important ce but. Hein. Ça mettrait l'équipe anglaise à 14 points. Ce qui veut dire deux essais transformés. Pour gagner ce match, les Anglais devront marquer 3 fois. Elle est importante, celle-là, la pénalité. C'est pas la plus facile, hein, pour le coup, en plus. Est-ce que l'Écosse va enchaîner un quatrième succès consécutif dans le tournoi face à l'équipe d'Angleterre? C'est la question de l'après-midi en jeu dans cette célèbre Calcutta Cup. 40 mètres, donc un 5 sur 5 pour l'instant pour Finn Russell. C'est Gregor Townsend qui disait que sur les 10 matchs qu'il a joué contre l'Angleterre, exactement, il avait gagné qu'une seule fois, alors que cette génération-là habitue les supporters écossais à lever les bras à la fin des matchs contre l'Angleterre. Et le sans faute de Russell qui continue. 14 points d'avance pour les hommes justement de Greg Townsend. Ah, c'était la période creuse, je dirais, des Écossais à cette époque-là. Et la belle période des Anglais aussi. Et la belle période aussi des Anglais, effectivement. Écosse 30, Angleterre 16, 15 minutes à jouer. Un dernier quart d'heure de suspense pour voir si l'Angleterre est capable de revenir dans ce match. Peut-être avec Itoje qui a quitté son casque. Spencer dans les 22 mètres écossais. Il faut tout donner du côté des hommes de Steve Borswick à présent. Plus de temps à perdre s'ils veulent gagner et enchaîner une troisième victoire dans ce tournoi. Eux qui ont battu l'Italie et qui ont battu ensuite le pays de Galles à Twickenham. Ah, le ballon, voilà, magnifique, on va jouer avec cette passe et l'essai. Il vient d'entrer en jeu de Feyi Mabozo. Jeune 3 Carrel de l'équipe d'Angleterre. Là voilà la réaction des joueurs de la Rose. Superbe inspiration. Hein. Le jeu était un peu retardé. Il était sur la droite. Et il est venu s'impliquer sur ce côté gauche, on le voit. Et avec ses cannes, sa vitesse, sa puissance, il a réussi à prendre l'intervalle en rapide face à un plus lent. Effectivement, il a réussi à passer et à marquer cet essai qui peut relancer cette équipe d'Angleterre. Il reste encore du temps. Hein. Il reste encore un bon quart d'heure pour cette équipe anglaise. Très belle initiative en tous les cas. Feyi Mabozo qui marque donc ce deuxième essai anglais qui va tenter de transformer Finn Smith. Ah, ça relance complètement le 15 de la Rose hein, dans ce match. Bah oui, c'est d'abord, ça part d'une mauvaise réception hein, d'ailleurs de ses converteurs. Ça passe. Ah non, ah, c'est le poteau. La courbe du ballon qui est venue percuter. Ouais. Qui est venu percuter le poteau écossais. Écosse 30, Angleterre 21. Ouais, je disais donc
que ça part d'une mauvaise réception de l'Écosse sur le coup de renvoi suite à la pénalité de Russell. Donc l'importance hein, de bien réceptionner ces coups de renvoi pour repartir dans le camp adverse, ça n'a pas été fait par l'Écosse, ils sont sanctionnés directement. La sortie du capitaine Jamie George du côté anglais et l'entrée de Théodane au poste d'homme de talonneur, le joueur des Saracens. Suspense, allez. Ce match n'a toujours pas livré son vainqueur, même si pour l'instant, les Écossais ont la main au score à 12 minutes de la fin de la rencontre. Ah ben, rien n'est fait, Jean, vraiment là. La touche a été trouvée par Spencer, mais on reste dans le camp anglais. Il ne faut pas que l'Écosse fasse l'erreur qu'ils ont fait contre la France d'essayer d'être trop en gestion du match. Il va falloir qu'ils continuent à jouer comme ils le font très bien d'ailleurs. Et là j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu dans cette gestion là. Gilchrist a cédé sa place à Sam Skinner au poste de deuxième ligne du côté écossais. C'est lui qui vient de se saisir de ce ballon sur la touche. Mis sur le reculoir, les Écossais, ils gardent l'initiative. Avec la charge ici de Rory Derge. Enchaînement des Écossais qui tentent de fixer la défense de la Rose. Monté très très haut. On a passé les bras. Ça s'est ouvert, oui, mais. Il y a eu un écran. Il y a eu un écran entre deux joueurs écossais. Qui a gêné la défense anglaise. C'est sanctionné d'une pénalité. Murrayfield n'apprécie pas, mais. Monsieur Bryce, l'arbitre irlandais était parfaitement placé. Et résultat, Finn Smith peut porter le jeu là-bas dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Allez, je vais en profiter. Dernière chance pour vous de jouer pendant ce match Écosse-Angleterre. 40 000 euros sont à gagner. Ne tardez plus, envoyez le mot rugby par SMS au 73003 ou bien vous appelez le 3435. Bonne chance à vous, 40 000 euros. Dernière chance lors des 10 dernières minutes de ce Écosse-Angleterre. Et le lancer de Théodane, son premier lancer sur les 22 mètres écossais. On va voir comment il va être exploité, ce ballon gagné en touche par les Anglais. On va aller peut-être chercher une solution un peu plus au large là. Au cœur du jeu, nouveau point d'ancrage, nouveau point de fixation, Itogé. Il est pris debout pour l'instant, ça peut, par Dempsey. Ouais, c'est le ballon est pourri, je dirais, par les Écossais. Bonne défense. Hein. Voilà. Bonne défense de Jack Dempsey, ce joueur d'origine australienne, né en Australie, qui a porté d'ailleurs à 14 reprises le maillot de l'équipe d'Australie. Oui, mais comme il a un grand-père maternel qui s'est exilé en Écosse, eh bien. Il peut être sélectionné au bout d'un certain temps sous le maillot de l'équipe d'Écosse, ce qu'a fait bien sûr Greg Townsend. Ouais, beaucoup de tension sur ces 10 dernières minutes, à la fois pour les coachs mais aussi pour le public, et on sent bien la ferveur. Là le ballon a été gardé en l'air, donc c'est de mêlée récupérée. Le public s'est levé comme un seul homme pour applaudir cette équipe d'Écosse qui récupère cette balle précieuse. Son casque noir, c'est bien lui, Jack Dempsey, numéro 8 écossais. 9 minutes à jouer. Pardon. Oui, 9 minutes à jouer. 9 points d'avance. 30-21 en faveur de l'Écosse. Ça s'est écroulé, mais les Écossais peuvent aller chercher le pied. Écoutez Murrayfield. Écoutez Murrayfield qui chante. La ballon récupéré par Kingham. Allez, Finn Russell, qu'est-ce qu'il va faire? On joue à la main avec Cameron Redpath qui essaie de trouver un petit espace dans cette défense hermétique des Anglais. Ballon contré. Il y en a en avant anglais. Ouais, de Marler. Pas d'avantage dedans, et on va revenir à cette en avant de Joe Marler. Toute la folie de Finn Russell qui est capable de faire des choses extraordinaires, mais là ça fait plusieurs fois qu'il se fait contrer sur des coups de pied. Ça peut être dangereux pour son équipe. Avertissement sans frais là, puisque il y a eu un en avant anglais derrière de Joe Marler. Ils vont récupérer la mêlée. Ah, le public de Murrayfield qui apprécie ce match. C'est toujours un moment important, un après-midi ou une journée très importante
quand l'Écosse reçoit l'Angleterre, vous le savez. C'est Red Pass aussi ce qui se fait soigner, me semble-t-il, au milieu du terrain. Il y a deux joueurs écossais touchés. Il y a un troisième là-bas, mais c'est plutôt des étirements pour Van der Merwe. Ouais, saignement pour Cameron Red Pass, c'est le nez du jeune. C'est un peu le couteau suisse, puisqu'il peut jouer à l'ouverture au centre ou à l'arrière. Cameron Red Pass. Et pour l'instant, eh bien, le spectacle, il est dans la tribune de Murrayfield. On en profite. Ouais, on voyait un petit body pour bébé, là, écossais. C'est certainement pour le 3 Carrel. Stein qui a été papa cette semaine là. D'ailleurs il n'a pas joué contre la France parce qu'il est là à l'accouchement de sa femme. Kalia Stein, Carrel droit. Et voilà, donc il fait tout les Écossais, même les bébés. Allez, l'entrée en jeu de Ben Healy. Ah oui, c'est lui qui va. Oui, effectivement, c'est un saignement de sortie, le Cameron Red Pass, vous le voyez, qui a mis de la gaz et du coton sur son nez pour stopper l'hémorragie est rentrée donc de ce joueur Ben Healy, d'origine irlandaise, qui porte les couleurs de la franchise d'Édimbourg. Fouls. Points. Horn pour l'introduction. Russell qui discute avec son partenaire pour voir comment exploiter ce ballon. Mais d'abord, il faut jouer correctement la mêlée. Et le chrono qui tourne, on est dans les 8 dernières minutes sous le regard de Greg Taussen, tendu, son équipe tient le score mais n'est toujours pas à l'abri d'une fin de match explosive des Anglais. Justement, en parlant de Stein, le 3 carré, là il se tient complètement au bord de la ligne de touche pour essayer d'écarter la défense anglaise. Il est même en dehors de l'aire de jeu, ça y est, il est sur la ligne, carrément. Et ce ne serait pas possible, vu sa position, ça va écarter les liens anglais, ce ne serait pas impossible. Du jeu au pied de Russell. Que jouer au pied de Russell, mais pas justement plutôt dans l'axe. Ouais, mais la mêlée ne se joue pas, c'est un coup franc, donc ça change un petit peu le lancement de jeu. Effectivement. À moins que les Écossais reprennent mêlée. On va voir. Non, je pense pas, c'est. Taper une chandelle. C'est Ben Healy qui s'est saisi du ballon. C'est lui qui a été sanctionné. Will Stewart entre en jeu du côté de la première ligne de la Rose. Allez. Trop profond pour être à la retombée du ballon. Le ballon bien récupéré là par Fei Roibozo. Auteur du deuxième essai de la Rose il y a quelques minutes. Ballon protégé là par les avants anglais pour le jeu au pied de Ben Spencer qui prend tout son temps. Ben, il ne devrait pas parce que le chrono tourne. Exactement. Et l'Angleterre a 9 points de retard. Itogé pour relancer les Anglais qui vont jouer leur batou dans ces dernières minutes. La passe à hauteur. On est revenu sur la ligne des 50 mètres. Spencer pour Ben Earl. Soutenu par Cunningham Thous. Ça va être du jeu au pied. Timing. No, don't lean over the top. Pied gauche. Kid Horn à la réception. Impérial dans les airs. L'arrière écossais. Si les Anglais veulent gagner, il va falloir qu'ils portent le ballon, hein, parce que ces coups de pied, ça ne réussit pas à tous les coups. Ou alors, il faut qu'ils soient vraiment millimétrés pour être en dessous, pour pouvoir récupérer la balle. Là, le coup de pied était trop long, c'est un ballon rendu pour les Écossais. Un ballon perdu, c'est revenu dans les bras, avec en plus un avantage en cours de l'équipe d'Écosse. Russell a le coup de pied brossé là-bas, mais récupération de ce 3 carré de Fei Roibozo qui relance les Anglais. Il y a un avantage en cours, les Écossais étaient hors jeu. Spencer. Allez, ça ne profite pas, on va revenir effectivement à la faute que vous signaliez. Un gros pansement, coton-tige, je dirais, énorme, dans le nez de Cameron Red Pass qui va revenir en jeu. Ouais. Frappe de l'extérieur du pied de Finn Russell là pour
imprimé une courbe au ballon de manière à qu'elle ne sorte pas du terrain. Ouais, mais c'était bien anticipé par l'ailier anglais, qui a du feu dans les jambes d'ailleurs. Hein. Ah oui, depuis son entrée en jeu, il a du feu dans les jambes. Alors, sortie de Ben Healy, c'était un changement sur saignement. Retour donc de Cameron Red Pass. Allez, 4 minutes pour l'Angleterre pour 9 points à aller chercher. Oui, mais il faut marquer, minimum, il faut points, marquer deux fois. Hein. Ouais. Il faut laisser transformer ensuite une pénalité ou un drop. Et pour l'instant, les Écossais tiennent le score. Même si les Écossais campent dans le camp du Chardon. Jeu de passe, oui, mais cette passe au fil en touche. Et Murray Fitt se lève. Ouais, manque de précision, encore une fois, des erreurs de main. Ah, une victoire de l'Écosse va relancer les Écossais dans ce tournoi. Hein, puisqu'ils se déplaceront en Italie dans 15 jours et ensuite ils iront, lors de la dernière journée, à Dublin, défier les Irlandais. Pour l'instant, invaincus avec 3 victoires bonifiées. Ça nous arrangerait bien qu'ils gagnent justement les Irlandais, parce que ça remettrait, si les Français gagnent tous leurs matchs, ça nous relancerait pour la victoire finale du tournoi. Oui, les Français qui recevront l'équipe d'Angleterre lors de la dernière journée à Lyon. Et ça avance côté écossais, groupé pénétrant, c'est propre, c'est structuré, ça avance fort, ils vont continuer dans l'axe. Superbe ballon porté là des avants et du Chardon. Il faut garder le ballon, il faut continuer à avancer, c'est très bien fait. Un ballon perdu. Ouais, puis en plus il n'était pas perdu, il y avait un avant, hein, puisqu'il était tourné dans le camp anglais quand il a relâché ce ballon. Le joueur écossais. Ouais, très bonne défense. Oula, par contre, ça... plaquage cathédrale. Ouais, parce ouais, on verra après, mais ouais. Il risque d'être sanctionné ce plaquage. Pour l'instant, le jeu continue avec Oli Lawrence sur ses 22 mètres. Il faut qu'ils jouent, les Anglais, maintenant. Faut qu'ils jouent. Pénalité. Non, plus le choix. Faut marquer un essai rapidement. Pratiquement les deux dernières minutes de ce match. Écosse 30, Angleterre 21. C'est une première défaite des Anglais qui se profile dans ce tournoi Destination 2024 où il a battu l'Italie et le Pays de Galles. Le voici, le fameux plaquage. Il est administré voilà, par Van der Merwe. Oh là là. Ça mérite même un jaune. Entre nous, sincèrement... Alors, est-ce que l'arbitre vidéo va intervenir? Voilà. Carton jaune. C'est ça, ouais. Ouais, le carton jaune. Ah ben c'est le match de Van der Merwe. Hein. 3 essais et carton jaune. Mais il n'en mettra pas 4, ça c'est sûr. Il ne mettra pas 4 essais puisqu'on ne le reverra plus. Dwan Van der Merwe. Ah, c'est la règle, c'est normal. Carton jaune. Oui, tout à fait. C'est un plaquage cathédral. Le joueur anglais serait tombé sur la tête. Ça aurait pu même être un carton rouge. Là, c'est que jaune parce qu'il est tombé sur le dos. Par contre, c'est une ovation. Ah oui, c'est l'ovation. C'est rare hein, qu'un joueur sorte sur carton jaune et qu'il y ait une ovation. Bah oui, mais il a marqué les 3 essais. Les 3 essais qui amènent l'Écosse à renouer avec la victoire de ce tournoi. Allez, se lancer en touche pour l'Angleterre, c'est un petit peu pas une balle de match parce qu'après il faudra remarquer, mais enfin, ils ont encore le temps de marquer un essai et pourquoi pas plus. Mais c'est sur cette action, il va falloir marquer très très vite. Hein. Le lancer de Théodan. Ballon capté par l'alignement anglais du jeu au large. Passe sautée, percée des Anglais sur les 22 mètres écossais. Le jeu qui rebondit, même sens. Le ballon est arraché. Ouais, arraché, plaquage debout pour bloquer. Et voilà, le ballon rendu à la défense écossaise et Murray Fitt savoure. Murray Fitt savoure parce que l'Écosse va gagner ce match. C'est une certitude maintenant. Ah, il est félicité. Le ballon est arraché, il a arraché le ballon, mais qu'importe. Elle est belle cette image. Ils auront tout donné. Erwan Ashman, pardon. Vous avez vu que d'ailleurs, on a fait appel au bunker pour le carton jaune de Van der Merwe. Ouais, vous voyez le petit rectangle jaune et rouge. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que ça restera jaune parce que le joueur anglais est tombé sur le dos et pas sur la tête. Ah, la réaction de tout le staff écossais, c'est un ballon important. Hein. C'est pas des points, mais c'est important. Ah, c'est la gagne, c'est fini. Exactement. Là, c'est la gagne. Là, ça va permettre à l'Écosse de jouer ces 35 dernières secondes, effectivement. Mais de toute façon, au pire, même s'ils prennent des points, ils ne pourront pas marquer deux fois, les Anglais. C'est une belle victoire écossaise. Un match particulier parce que l'Écosse a quand même été très dominée en première période.
mais ils sont sortis à la mi-temps avec, en étant devant au score, parce qu'ils ont été très 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 réalistes, cette équipe. Ouais, pragmatique et réaliste surtout, grâce à cet homme notamment. Il a le sourire, l'accolade avec son partenaire Tuopulotu, Van der Meer. On retiendra ces trois essais dans ce match qui offre la victoire à cette équipe d'Écosse 30-21. Les 4-5 dernières secondes, certainement la dernière mêlée, Murrayfield qui chante. En Écosse, c'est un amour. Quand on bat l'Angleterre, on savoure, on est heureux. Et il y a bien sûr au bout ce magnifique trophée que va recevoir tout à l'heure Rory Dearge, le capitaine du Chardon. Le sourire, le sourire de Finn Russell. Quel joueur, quel artiste. On est dans le temps. Allez, et voilà, c'est terminé. La fin du match. Le dégagement de Finn Russell. L'Écosse, Yann qui s'impose donc 30-21 et qui va donc conserver la Calcutta Cup. Exactement, c'est mérité. Belle équipe d'Écosse qui a gagné son match de très belle manière. Ils se sont mis à l'abri finalement en deuxième période, mais que le match fut magnifique finalement. Les deux équipes ont beaucoup joué et le meilleur a gagné aujourd'hui. Merci Yann. Et merci bien, on retrouvera les Écossais dans 15 jours. Exactement. À Rome face à l'Italie. Victoire donc Cédric et Vincent de l'Écosse 30-21. L'historique Calcutta Cup reste dans la maison du Chardon.